Bonsoir ma chérie. Bonsoir monsieur. Moi c'est Auguste. Et moi c'est Gorba. Enchanté Gorba, très joli. Merci. Ok, ce qu'on aimerait savoir, et nous c'est internaute, elle a suivi un peu. Selon toi, pourquoi au Cameroun, l'ennemi du Camerounais est lui-même? Donc pourquoi les Camerounais ne s'aiment pas entre eux? Point d'interrogation. Dans ce sens, parce qu'on vit tous au Cameroun, mais l'homme est l'ennemi de l'homme. Comme pour dire que même le Camerounais pourrait aussi être l'ennemi du Tchadien. L'avarisme. L'égoïsme, la convoitise, l'excès de l'eau surtout. L'avarisme, on est avare, on veut tout avoir pour nous seuls, rien pour les autres. Hey, laissez bien. Quoi? Chers abonnés, restez scotchés sur la page. Likez, abonnez-vous et partagez. Faites comme moi. Merci. Selon toi, pourquoi est-ce que les Camerounais ne s'aiment pas entre eux? Pourquoi est-ce que l'ennemi du Camerounais, c'est le Camerounais lui-même, selon toi? On va encore réfléchir à la question là. Donc, pourquoi les Camerounais ne s'aiment pas entre eux? Bon, on est qui répond à ce rapport. Je te remercie. Selon toi, pourquoi est-ce que l'ennemi du Camerounais est le Camerounais lui-même? Pourquoi est-ce que les Camerounais ne s'aiment pas entre eux? Non, pour moi, franchement, j'ai déjà joué avec un Camerounais, j'ai affronté plusieurs Camerounais, donc je trouve, je ne sais pas comment on répond à cette question. Pour moi, les Camerounais. Bon, pourquoi moi, le Camerounais est jaloux du succès de son frère? Là, c'est le village. Là, le village. Parce qu'ici au Cameroun en général, on s'est rendu compte que lorsque ton frère peut-être est réussi, il a une grande entreprise, tu es toujours jaloux, tu veux l'empoisonner, tout comme tu ça. Tu es jaloux, tu accuses la sorcellerie, tu as tout de cela. Moi je dis c'est la jalousie, d'accord, tu le dis. Et que je ne sais pas, tout le monde n'aime pas son frère. Et il s'agit aussi des malédictions dans tout ça. Donc là, je veux sur le village. Ok, bon, si tu as un message à faire passer à nos internautes par rapport à ce phénomène, qu'est-ce que tu leur dirais? Tout simplement, comme Camerounais, crois en toi et la pensée positive. Toujours de l'homme, toujours de l'homme. Je te l'avais dit. N'attends pas trop les gens dire crois en ta parole et crois en toi. Aie confiance en toi, c'est ça. Aie confiance en soi. Je te remercie. Je suis en. Même. Pourquoi les Camerounais ne s'aiment pas entre eux, pour être plus précis? Pourquoi les Camerounais ne s'aiment pas? Pourquoi les Camerounais sont jaloux entre eux? Oui, justement, je pense que c'est de la jalousie. Non, être envieux, les Camerounais sont envieux. Oui, c'est ça le véritable problème en ce moment. Parce que le Camerounais, quand il voit son ami évoluer, ou bien son entourage évoluer, il se dit pourquoi lui, pourquoi pas moi? Je pense que c'est ça. Pourtant, à la limite, on devrait être heureux du bonheur de l'autre. Donc, il est jaloux de sa frustration, il est frustrant en fait, c'est ça? Oui, oui. Ok, je te remercie. Bonsoir, mon frère. Bonsoir. Moi, c'est Auguste. Marius. Enchanté, Marius. Dans ce sens, parce qu'on vit tous au Cameroun. Mais l'homme est l'ennemi de l'homme. Comme pour dire que même le Camerounais pourrait aussi être l'ennemi du Tchadien. Bon, chaque pays maintenant a ses réalités pour que peut-être on circonscrive la chose. Hein? Vous voyez un peu. Donc je pense qu'en fait, l'homme est de nature jaloux, d'abord à la base. Hein? Et du fait des inégalités, n'est-ce pas, de la vie, on est propre, on est comment dire, propre à la jalousie. Donc il n'y a pas peut-être il faut qu'on le circonscrive et dire que le Camerounais est jaloux par rapport à son frère. L'homme est jaloux par rapport à son frère parce que l'un peut avoir une certaine ascension économique, l'autre misère. Ou un peu, l'un peut être marié, l'autre misère. L'autre peut-être est célibataire, donc tout est relatif. C'est un peu ça. Bon, en fait, parce qu'on s'est rendu compte que ce problème est beaucoup plus fréquent en Afrique en général, le Cameroun en particulier. Donc, à l'extérieur, c'est vrai que l'ennemi de l'homme, c'est l'homme d'abord, mais on s'est rendu compte que c'est en Afrique, c'est beaucoup plus fréquent. Bon, selon toi, au Cameroun,
pourquoi l'ennemi du Camerounais lui-même? Donc pourquoi les Camerounais ne s'aiment pas entre eux, se jalousent entre eux? En Afrique en général, mais au Cameroun en particulier, pourquoi il y a ce problème? L'avarisme, l'égoïsme, la convoitise, l'excès de l'eau sur tout. L'avarisme, parce qu'on est avare, on veut tout avoir pour nous seuls, rien pour les autres. Donc, le Camerounais se sent frustré, il est jaloux de son compatriote parce qu'il veut. Il est compressé et surtout il est très avare. Donc, tu n'as, il n'y a pas. Selon toi, quelle est la cause principale? Si tu veux dire une cause principale. De l'avarisme. Oui, je dirais que c'est un petit peu comme tu veux la convoitise. Tu veux convoiter quelque chose que tu n'as pas et tu ne veux pas le travailler. Ça, tout ça fait pas. Il y a l'avarisme, il y a la paresse. C'est ça. Nous, au Cameroun, comme tu as dit tout à l'heure, on aime le produit fini. Comme tu es en train de travailler là, on va pas voir que tu es en train de travailler. Mais même pas si ça va populaire, un feignant viendra derrière la feignant avec avoir cette popularité. Donc c'est l'avarisme et la paresse. Merci beaucoup. Moi je pense qu'en Afrique, c'est beaucoup plus la misère qui stigmatise les gens et les fait voir peut-être quelqu'un qui sort du lot comme quelqu'un qui atteint le paradis, peut-être le Nirvana. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, je pense que en fait, c'est la misère là qui fait en sorte que. Quand tu vois ton frère qui évolue, tu es jaloux. De l'autre côté, à l'Occident, moi je pense que quand même le niveau de vie là-bas permet que chacun puisse se suffire et que la jalousie ne soit qu'à certains niveaux et non peut-être dans le quotidien. Vous voyez un peu, peut-être que la jalousie peut être déjà sentimentale. Par exemple, tu as peut-être une amie qui est jalouse de toi par rapport peut-être à comment tu attires les hommes, comment tu attires les femmes. Hein? Mais dis quand tu es jaloux par rapport au fait que par rapport à la sanction économique, c'est pas évident. Et là-bas même, c'est des cas un peu qui sont d'une proportion un peu moindre que la nôtre ici en Afrique. Bon, si tu avais un message à faire passer à nos internautes, un conseil que qu'est-ce que tu leur dirais? Tu as un message à faire passer? Je leur dirais que croyez en vous, mes frères, qu'en dépit de tout ce qui se passe dans le monde, n'est-ce pas, il faut croire en soi. L'homme est un demi-dieu. Quand tu crois en toi et que tu sais où tu vas aller et que tu es objectif, tu y arrives. Et la jalousie ne sera que passagère. Elle ne pourra même pas t'atteindre hein, et avoir une certaine influence dans toi. Donc, soyez confiant en vous et croyez en Dieu. Je te remercie, mon frère. Merci. Être ensemble, c'est comment vos esprits s'accordent. Tu vois, ouais. Bon, si ton esprit ne va pas avec quelqu'un. Telle personne, ouais, ça peut pas aller. Si ça va avec ceci. Les Camerounais sont jaloux, les seigneurs. Jaloux. Ah, en fait, je peux dire c'est que les gens ne sont pas satisfaits de leur niveau. Parce que si tout le monde est satisfait du niveau où il est, il n'y aura pas la jalousie. Mais il y a toujours la jalousie des envies parce que tu regardes le type de quelqu'un d'autre qui t'appartient pas. Moi, il faut que tu travailles pour toi. Donc, ouais. Si tu avais un message à faire passer à nos internautes, si tu le dirais par rapport à ce phénomène, qu'est-ce que tu le dirais? Ah, en fait, je veux avec que nous sommes comme des enfants, on grandit aussi parce que des mots sont été comme des papas et mamans qui sont dehors. Bon, à nous les gens, c'est qu'on soit focus. Être focus, c'est juste être discipline. Même si tu fais quoi, rien n'est petit. Ouais, parce que à chaque personne qui a grandi à un certain niveau, elle a commencé de quelque part. Bon. Il ne faut pas être découragé, de penser que non, ça ne va pas donner comme ça, j'essaie, c'est si tu laisses, mais consistency, comme on dit en anglais, d'être comment on dit en français? Persévérant. Ouais, persévérant et il faut toujours croire à Dieu, prier à Dieu, ça va aller, ça va marcher. Je te remercie mon frère. Ouais, thank you. Merci beaucoup. Ça mon ami. Bonsoir frère. Moi c'est Auguste. Moi c'est Arsène. À chacun à seul. Juste selon toi. Mais pourquoi est-ce que l'ennemi du Camerounais est le Camerounais lui-même? Pourquoi est-ce que les Camerounais s'aiment pas entre eux? Pourquoi le Camerounais est jaloux du succès de son frère? Ah, ce qu'il faut dire sur ce sujet-là, c'est que comme moi, tu étais beaucoup envers son frère. Donc, ce qu'il faut vous dire. Bon, selon toi, il n'y a pas une cause. Qu'est-ce qui peut causer ça, selon toi? Bon, tu sais aussi qu'à l'Afrique, il y a plusieurs tribus, plusieurs ennemis. Peut-être c'est ça qui crée des hypocrisies entre les frères Camerounais. Le Camerounais est jaloux du succès de son frère parce qu'à cause des tribus, la différence des tribus. Dans un pays, quand il y a plusieurs tribus, forcément il y aura aussi des hypocrisies et des petits conflits. Par exemple, si le président est peut-être du sud,
les gens de l'Ouest ou bien les gars du Nord ou bien les gars de l'Est, ils ne seront pas fiers de ça. Peut-être c'est ça qui apporte l'hypocrisie au pays. La voix des sans-voix, le clairreur de conscience africaine.